Amen. Tu vas bien ce soir? Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Pour la deuxième de Pasteur, éclairez-nous. Nous avons des questions vraiment pertinentes aussi à répondre ce soir. Et aussi des fois des questions un peu difficiles. Alors on va faire du mieux qu'on peut ce soir par la grâce de Dieu. Et on sait que vous allez être bénis. Alors on vous salue aussi tous ceux qui nous viennent par le biais d'Internet ce soir. Ce soir, ça va être un temps où la présence de Dieu va se manifester. Ça fait qu'on va juste le laisser se manifester et de, en nous, apporter une transformation. Amen. Alors, Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta présence. On te remercie, Seigneur Jésus, qu'on te cède contrôle de cette soirée. Et on te cède contrôle aussi de chaque vie ici, de ma vie premièrement. Seigneur, je te donne le contrôle. Fais ce que tu désires. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir.
vivant? Est-ce que Dieu est vivant? Vous êtes en forme ce soir? Ouais! Ensemble! Alléluia! Ensemble! Vivant, il est vivant pour toujours glorifier. Vivant, il est vivant, Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia, ça. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Hey! Oh, 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 alléluia, chantons.
Yeah.
Alléluia. Alléluia. Kurabashanda. Il est digne de glorifier.
t'adorons, Jésus. Rien ne vaut plus que ta présence, oh Dieu. Ô Saint-Esprit, sois le bienvenu. On a soif, Seigneur. Faites juste lever vos mains ce soir. Faites juste accueillir sa présence. On va le chanter encore une fois. Vraiment, chantez-le de tout votre cœur. Dites-lui, Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ce lieu. À la maison, dites-lui la même chose. Saint-Esprit, sois le bienvenu dans mon foyer, dans ma voiture. Sois le bienvenu. Peu importe où vous êtes, faites juste lui souhaiter la bienvenue. Reconnaissez-le comme souverain. Et chantons-le ensemble. Saint-Esprit, sois Sois de toi, Jésus.
yes. La gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, chantons-le. L'Esprit soit le bienvenu. Yeah, yeah. Plus que vainqueurs. Alléluia, Seigneur. Amen. Fais juste goûter à sa présence ce soir. Dieu est tangible. Sa présence est tangible. On peut goûter à sa présence. Même en ligne, fais goûter à sa présence. Dieu transforme les vies. Dieu change les vies. Merci, Père. Yes, Jesus. Amen. Combien d'entre vous ce soir, vous avez soif d'un mouvement de Dieu, Saint-Esprit, dans vos vies? Moi, j'ai soif de lui. Plus que jamais, j'ai besoin de lui. Amen. Comment? Il faut juste avoir soif de sa présence. Dis, Seigneur, plus rien. Je veux juste toi, Seigneur Jésus. Je veux juste ta présence. Je veux juste ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci. On accueille ta présence. Père, tu es bienvenu dans ce lieu. Bienvenue dans ce lieu. Bienvenue dans ma vie. Fais ce que tu veux, Seigneur Jésus. Kora shakara mandarasi, alléluia, Seigneur. Tu es bon, Jésus, yes, come on. C'est ça la présence de Dieu. Choro sekira babara shikiris. Woo! Hallelujah. Choro sekira bandere shikiris. Hallelujah. Oh, merci l'équipe. C'est tellement bon la présence de Dieu. Moi, je vis pour ces moments où est-ce que Dieu se manifeste tangiblement. C'est ça qui nous transforme, rien d'autre. Sa parole puis sa présence. Si j'ai sa présence, j'ai la vie, j'ai la joie, j'ai la paix, j'ai l'amour. J'ai pas sa présence, j'ai pas la paix, j'ai pas la joie, j'ai pas l'amour. Mais dites à quelqu'un, ce soir, la présence de Dieu te touche. Hey, prophétiquement, dites-le. Ce soir, la présence de Dieu vous touche à la maison. Te touche. Yes. Amen. Wow! Merci, merci beaucoup. J'aime la présence de Dieu. Combien d'entre vous, vous aimez la présence de Dieu? Combien d'entre vous, vous avez peut-être jamais goûté à la présence de Dieu? Mais ce soir, vous allez goûter à la présence de Dieu. Amen! C'est tellement bon. J'espère que vous avez goûté à cette présence tangible en ligne, à la maison, comme on a goûté ce soir. Ce soir, vraiment, on va continuer avec vos questions. On va répondre vos questions ce soir. On n'a pas pu répondre à toutes les questions qu'on a reçues. Il y a quelques questions qu'on se met en réserve peut-être pour une prochaine fois. Combien d'entre vous, vous étiez là la dernière fois qu'on a fait « Pasteur, éclairez-nous » ? Est-ce que vous avez aimé ça la dernière fois? Alors ce soir, on a Pasteur Denis, Magali et moi-même qui allons faire ces questions, répondre à ces questions avec Vanessa qui va aussi être... qui va nous poser les questions. Alors, ce soir, est-ce qu'il y a des gens qui sont nouveaux parmi nous? Faites juste lever la main, faites signe.
Est-ce qu'il y a des nouveaux? C'est peut-être votre première fois visiter ce centre réveil. On aimerait pouvoir vous connaître davantage. Si vous faites juste lever la main, est-ce que quelqu'un qui serait nouveau parmi nous? On veut juste vous remettre un petit dépliant. Alors, en tout cas, si vous n'êtes pas nouveau, mais on vous souhaite encore quand même la bienvenue au centre réveil. À chaque fois que vous êtes là, ça fait la différence. Est-ce que vous saviez ça? Si vous n'étiez pas là, ça serait plate sans vous. Je regarde mon frère Daniel et puis sa femme. Alors, on vous bénit. En tout cas, c'est eux qui ont vraiment combattu les flots. Il y a aussi Daniel et Gérald qui ont vraiment, qui se sont battus avec cette météo interminable de pluie. Alors, on est content que vous soyez ici ce soir, puis on continue à prier pour vous, puis votre maison, vos biens. On prie juste que tout est bien. En tout cas, j'ai jamais vu une femme travailler aussi fort, man. Jamais de ma vie, je pense que... En tout cas, c'est là qu'on voit la capacité quand même de l'être humain. Dieu nous a créés capables d'accomplir des choses que des fois on pense même pas nous-mêmes être capables d'accomplir. En tout cas, on prie vraiment que votre maison va pouvoir être sauvée après tout ça. Puis on croit vraiment que Dieu a mis sa main. Puis un miracle va se produire dans le nom de Jésus. On le déclare, puis on le croit. Puis en tout cas, tous ceux qui ont été sinistrés dans la région d'Ottawa, de l'Outaouais, il y en a peut-être qui ne sont pas ici ce soir parce qu'ils n'ont même pas pu traverser où c'est plus difficile, disons. On prie que ces eaux quittent. Dans le nom de Jésus, c'est fini, ça s'en va, ça se réabsorbe. Les gens veulent revoir leur maison et puis, amen. Alors, ce soir, pour les dixièmes et offrandes, si vous faites juste lever la main, si vous avez besoin d'enveloppe ce soir, faites vos chèques au Centre Réveil International. On vous remercie en ligne aussi de continuer à supporter, continuer à donner de vos biens. Et des biens qui appartiennent à Dieu, dans le fond. Et j'aime bien Malachie qui dit « Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, qui est un dixième. » Et vous savez, il y en a qui disent « Ouais, mais dans le Nouveau Testament, c'est pas là. » Vous savez pourquoi c'est moins là dans le Nouveau Testament? Parce que les gens le faisaient. C'était pas une reproche, c'était pas, il n'y avait pas besoin de corriger là-dessus. Trop souvent, les gens donnaient la dîme. D'ailleurs, Jésus a dit « Vous donnez la dîme de toutes ces choses, de l'amande, du cumin, mais vous négligez le reste. » Mais il n'a jamais dit, vous donnez la dîme, vous ne devriez pas le faire. Vous devriez faire les autres choses. Non, il a dit, vous donnez la dîme, c'est bien, mais vous ne faites pas le reste de ces choses. Alors, Jésus a parlé de dîme. Le peuple d'Israël n'avait pas de problème avec la dîme. Juste l'Église du Nouveau Testament, aujourd'hui, des fois, on a de la misère. Mais moi, je prie qu'on va être une église. Je déclare sur vous que vous allez découvrir la joie de donner. Vous allez découvrir l'honneur et le privilège. Et on va être une église qui va donner à 100% de ses membres, vont donner la dîme. Moi, je crois dans ça. Vous savez, on peut faire beaucoup plus quand vous êtes là puis vous supportez le ministère, vous supportez l'œuvre. Peut-être que vous n'avez jamais donné votre dîme. Commencez avec un petit montant, un petit pourcentage et faites-le pour une période. Faites confiance à Dieu avec le peu que vous avez et Dieu va vous en donner deux. Amen. J'aimerais qu'on puisse accueillir ensemble le pasteur Denis. Pasteur Denis et aussi Magali qui va nous rejoindre, qui fait partie de notre équipe pastorale. Et puis la plus belle des femmes, et c'est très subjectif, c'est Vanessa. C'est elle qui va un petit peu hoster, ça fait que je vais essayer de ne pas trop parler si je peux. Alors, bonsoir à chacun à cette session « Pasteur, éclairez-moi ». Alors, ce soir, nous avons reçu plusieurs questions. Comme Pasteur Mathieu le disait tout à l'heure, il y a certaines questions qu'on n'a pas pu répondre, qui seront pour une prochaine fois. Alors, on y va? Yes. Pasteur Denis, que dit la Bible à propos des femmes dans le ministère? Est-ce qu'une femme peut prêcher la parole? Pourquoi c'est moi le premier? En tout cas, oui, une femme peut prêcher. Et je veux expliquer un peu, parce que le texte que nous avons, il y a deux textes qui sont difficiles à saisir, qui fait qu'on dise que la femme n'a pas la permission de parler. Alors, le premier, c'est 1 Timothée 2, versets 11 et 12. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais doit demeurer dans le silence. Ça, c'est le premier verset que on dit, voilà, la femme n'a pas le droit d'enseigner ni de dire un mot dans l'assemblée. Et le deuxième verset, c'est dans 1 Corinthiens
14, 34 à 35, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit la loi, aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malseillant à une femme de parler dans l'église. Alors ce sont ces deux versets qui créent la polémique partout d'ailleurs. Mais une chose, c'est que nous devons comprendre, c'est que la Bible a été écrite, surtout le Nouveau Testament, en grec. Et des fois, les termes en grec ont plusieurs significations et plusieurs manières de compréhension. Pourquoi je dis cela? Parce que récemment, j'étais au Burundi et puis j'étais en train de prêcher en français. Et je voulais dire que j'étais très content. Et j'ai dit en français québécois. J'ai dit, je suis excité. Et l'interprète me regardait en disant, oh boy, qu'est-ce que tu dis? Alors, j'ai changé au lieu de dire que je suis excité, parce que ça a une connotation plus sexuelle là-bas. J'ai changé, j'ai dit, je pète le feu. Et là, il m'a regardé avec les yeux en disant, mais je ne comprends plus ton français. Alors, il faut comprendre le français. C'est beau? Oui. Alors, ici, Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence. Lorsqu'on dit en silence, en grec, on veut dire avec calme et tranquillité, sans bavarder, sans des querelles. Et on dit qu'elle doit être soumise. Soumise, on ne le dit pas dans le sens de se soumettre à tout homme. Ici, on dit à l'homme. L'homme, c'est son mari ici qu'on parle. Donc, la femme a le droit de se soumettre à son mari seulement. Pas à tout homme qui passe sous la rue ou qui vient à l'église. Alors, Paul dit, écoute, que toutes les femmes, non seulement qu'elles soient silencieuses, mais dans le sens d'être calmes, tranquilles, d'esprit, sans bavarder ou sans faire des querelles. Je vais expliquer davantage. L'autre verset, il parle plus des femmes. Il dit que les femmes soient soumises à leur... selon que le dit aussi la loi. Quelle loi Paul parle? Parce qu'aucune loi de Moïse n'interdit la femme de parler. Il dit, selon que le dit la loi. Quelle loi de Moïse interdit une femme de parler? Tout au long de la Bible, Dieu a toujours permis à une femme de parler. Il a élevé des femmes comme Rebecca, comme Déborah, comme Esther. Plein de femmes dans le Nouveau Testament, on en a plein qui étaient non seulement remplies du Saint-Esprit, qui prophétisaient, qui étaient diaconesses, qui faisaient l'œuvre de Dieu. Nulle part, on interdit une femme. D'ailleurs, je vais révolter des femmes ce soir. Il y a une certaine haine, un certain acharnement satanique qui est contre les femmes. C'est vrai. Et parce que c'est la femme qui a dévoilé que c'est le serpent qui a fait qu'elle puisse tomber. Alors le fait qu'elle a dévoilé le serpent, le diable n'est pas content. Parce qu'il dit, cette femme m'a dévoilé devant le Dieu Tout-Puissant, alors je vais faire tout pour que cette femme se taise pour toujours. Et que la promesse même que la femme a dit, c'est qu'elle écrasera, la descendance va écraser la tête du serpent. Donc le diable sait que dans une femme, il y a une grâce, il y a une capacité prophétique de discernement, de voir des choses spirituelles. Et c'est pour cela que dans toutes les générations, dans plusieurs nations, la femme a été toujours mise par terre parce qu'elle a une capacité. Lorsque tu confies une femme quelque chose, elle te donne le double que l'homme. Alors oui, la femme peut prêcher et je crois qu'elle peut le faire mieux que l'homme d'ailleurs. Amen. Amen. C'est la révolution ce soir. On continue avec Pasteur Matt. Est-ce que dit la Bible sur les tatouages? Est-ce qu'un chrétien peut porter des boucles d'oreilles? Alors, c'est une grande question. C'est toute une question. Premièrement, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues à moi, des jeunes, parce que j'étais en charge responsable de la jeunesse. Et quand tu es jeune, c'est sûr que tu vas te faire des tatous, tu aimerais ça, c'est cool. Et non seulement ça, mais comme on peut voir en haut, la majorité des leaders de louanges d'aujourd'hui démontrent que c'est tout à fait naturel d'avoir des tatouages. Maintenant, il y a un passage dans l'Ancien Testament qui nous dit ceci, dans Lévitique 19, 28. Et puis, on sait que c'était sous la loi, mais regardez ce que ça nous dit. « Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort, et vous ne ferez pas de tatouage. Je suis l'Éternel. » Maintenant, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, j'aime demander la question, dans le doute, j'aime mieux m'abstenir.
Souvent, c'est pas une question, est-ce que le tatouage, c'est démoniaque, est-ce que je devrais le faire, je devrais pas le faire. Moi, pendant un bout de temps, je voulais en faire un. Je suis content que j'ai pas fait faire un parce que ma femme, elle aime pas les tatous. Ça fait que ça aurait été, j'aurais été vraiment mal en point. Et surtout, si on peut mettre les prochains tatouages, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, on vous fait ça ici? Tu peux mettre les deux tatous manqués, là? Coucou. Derrière, PowerPoint, s'il te plaît, juste mettre l'image. C'est permanent. Vous savez, un tatouage, ça s'enlève pas. C'est permanent. Ça fait que ça, même quand tu commences à avoir des plis, le tatou aussi prend des plis. Alors, la question, c'est que beaucoup sont préoccupés par la parure extérieure. Et la Bible nous dit de ne pas se préoccuper de notre extérieur. Maintenant, est-ce que je condamne les tatous? Est-ce que je suis pour ou je suis contre? Je suis pas pour puis je suis pas contre. La seule raison que je suis pas contre, c'est parce que c'est un choix personnel. Si ta conviction, si d'après ce que tu lis, si tu peux prier le Seigneur et demander le Seigneur, puis il t'accorde la faveur, puis tu sens que c'est vraiment ça, tu n'as aucun doute, c'est ton choix. Mm-hmm. Mais moi, personnellement, je m'ai toujours posé la question, quel est le motif? Mm-hmm. Et voici la bonne question à se poser. C'est pas dire, je peux-tu faire ci, je peux pas faire ça. C'est comme quelqu'un qui dit, est-ce que je peux coucher avant le mariage ou est-ce que je peux pas coucher? Mais c'est pas qu'est-ce que tu peux faire présentement, mais est-ce que tu veux garder pour plus tard? C'est la même chose avec les tatous. Est-ce que je m'en fais un, je m'en fais pas? C'est pas une question, c'est quels sont les motifs? Pourquoi j'ai besoin de m'identifier avec un signe ou un symbole? Tandis que mon identité, je la prends en Christ. Elle est dans aucun symbole, ni dans... Puis des fois, puis vous savez, moi je pense que c'est la même chose avoir un tatou que quelqu'un qui est préoccupé par son apparence extérieure tout le temps. Là, comme, ah, il faut que j'aille les derniers gadgets, les boucles d'oreilles, les derniers appareils, tout ça. C'est une préoccupation extérieure. Je pense que ce qui est important, ça nous dit dans 1 Pierre 3:3-4, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Alors, posez-vous juste la question. Si vous désirez vous en faire un, si vous en avez fait un, condamnez-vous pas. On ne va pas vous regarder différemment. On a dit au Centre Éveil qu'on accepte tout le monde. Venez tel que vous êtes. Mais changez pas votre dimanche pour dimanche prochain. Non, c'est une fois. Mais c'est une différente genre de transformation. Mais vraiment, en réalité, c'est quel est le motif? Et moi, je voulais m'en faire un et je m'ai posé la question. Quel est mon motif? Est-ce que j'ai besoin de paraître différemment de qu'est-ce que je parais présentement? Et c'est aussi une question de motif de conscience envers Dieu. Tu veux rajouter? Ah, c'est voilà. Alors, tu vois, never don't give up. Quand tu as un tatou comme ça, merci Seigneur, ça n'a pas de sens en anglais. Ça dit jamais, jamais j'abandonne. Mais ça se dit pas never don't give up. C'est pas une phrase. Keep smiling avec un E. Il n'y a pas de E dans smiling. Continue à sourire. Mais t'imagines, tu te fais faire un tatou puis le gars, il ne s'est pas épelé. C'est permanent. C'est une marque. Ouais. Et puis, on voit, c'est un peu une marque de malédiction. On ne sait pas quel genre de tatou il y avait Caïn. Il avait une marque sur lui. Je ne sais pas. Alors, moi, je me pose. Quel est mon motif? Tu veux rajouter? Non, moi, je suis parti faire, mais on m'a dit que ça ne va pas se voir, donc j'étais exempté. Moi, je te crois pas. On arrive quand même à voir, mais ça dépend. De... En tout cas, voilà un peu la réponse, puis je pense vraiment que c'est ça. Et puis les boucles d'oreilles, Pasteur Mathieu, tu n'as pas répondu aux boucles d'oreilles. Moi, j'ai toujours apprécié le fait que ma femme n'a jamais porté de boucles d'oreilles. Est-ce que vous avez déjà remarqué? Elle n'a pas de boucles d'oreilles. Mais c'est pas à cause de la loi. Non. Mais c'est à cause qu'elle a jamais, ses parents croyaient pas à faire des boucles d'oreilles. Mais il y a certains pays, certaines cultures. Puis ça avait rien à voir avec la religion ou ça avait rien à voir. C'est que ma mère avait pas de boucles d'oreilles. Elle savait pas comment faire. Puis ça lui faisait peur qu'on se fasse arracher les oreilles. Alors elle disait, quand vous serez ado, vous ferez ce que vous voulez. Pour l'instant, non. Puis quand j'étais ado, puis que j'ai eu 16 ou 17, quand j'ai rencontré Mathieu, il a dit, oh, j'ai jamais vu une fille sans trop dans les oreilles. Touche-y pas. Elle voulait t'apporter, se faire faire des trous, puis je suis comme, non. Je t'aime tel que tu es. T'as pas besoin de rajouter rien, de faire quoi que ce soit. Je vais t'aimer tel que tu es. Ah, c'est ça que j'ai dit, non? Non, non, mais au moins, quand tu vieillis, il te reste quelque chose à faire. Ah ouais, okay? Ça ne serait pas dit, par exemple. Ben, je suis pas contre les boucles d'oreilles. Je pense que c'est de voir, faire sûr que tout ce qu'on fait, qu'on boit, qu'on mange, qu'on le fasse pour la gloire de Dieu. Alors, si tu fais un tatou, fais-le pour la gloire de Dieu.
Puis c'est aussi à quel clan tu t'identifies. C'est ça. Parce qu'il y a des 50, 60 ans, quand ils se faisaient faire des boucles d'oreilles, c'était des scandales, ou peut-être plus que ça au début du siècle. C'était le scandale parce que c'était les filles de mauvaise vie. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Il n'y a rien là. Qu'est-ce qu'on dit dans 25 ans? Peut-être que les tatous. On ne sait pas. Donc, c'est vraiment une question aussi de culture. Respectons-nous les uns les autres, puis gardons aussi les motifs de notre cœur pur. Puis c'est ça, c'est Dieu qui nous parle. Dans le fond, c'est Dieu qui nous change. Je me rappellerai toujours par rapport au piercing. Puis Dave, mon beau-frère, tu sais, il avait son piercing, puis il dit, je ne veux pas l'enlever. Je suis comme, c'est correct, t'as pas... C'était moi qui étais responsable de la louange à l'époque de l'église Centre-Ville lorsqu'on était sur la rue Donald. Et j'ai dit, écoute, si tu veux pas l'enlever, pas besoin d'enlever mes mains, plaster dessus pendant que tu joues à louange. Fait, c'était juste des choses comme ça, puis j'ai pas forcé à l'enlever. J'ai dit, si tu veux le garder, garde-le, fais juste pas le porter si c'est en avant à la louange, parce que nous, on trouve ça moins professionnel. Là. Mais écoute, c'est Dieu qui convainc les cœurs, et puis éventuellement, Dieu l'a convaincu, puis l'a enlevé. C'est la même chose par rapport à la musique. Alors, tout ce qu'on fait, on doit le faire avec conviction. Tout ce qui vient doute, la Bible nous dit que c'est péché. Alors, si vous doutez, mais bougez pas. Attendez. Et puis, amen, ça fait que c'est ça. On va continuer. La question est pour Magali, la prochaine. Que dit la Bible sur les dinosaures? Oh boy! la Bible ne parle pas de dinosaures. Et puis, c'est tout à fait normal qu'on comprenne qu'elle ne peut pas parler de dinosaures parce que le mot dinosaure, en fait, c'est un mot qui a été inventé seulement en 1841. Mmh. Ça a été fait par un naturaliste, M. Richard Owen. Et puis... Donc, lui, il a inventé ce mot-là de façon à ce que, par rapport à ce qu'ils avaient trouvé, et ainsi de suite. Cependant, le fait que le mot n'est pas dans la Bible, ça ne veut pas dire que les dinosaures n'existent pas ou n'existaient pas. OK? Donc, si on voit le mot, si on va dans la Torah, n'importe le livre des Juifs, il y a le mot hébreu qui s'appelle, qui dit Taninim. Taninim, ça se trouve plus de 30 fois dans l'Ancien Testament. Et ce mot-là veut dire un monstre de mer, un serpent de mer ou un dragon. Et ces taninim-là, en fin de compte, ça peut se retrouver sur terre comme dans l'eau. Donc, on voit que le mot, quand même, dinosaure, on s'approche. Mais plus précisément, si vous allez dans Job 40, 15, on parle de deux monstres. Le premier, on parle de Béhémoth, j'espère que je le dis bien, et le Lévitien. Mais le Béhémoth, c'est l'une des plus puissantes créatures que Dieu a créées. Selon la description de cette créature, les gens pensaient au début que c'était soit l'éléphant ou soit l'hippopotame. Mais après que les experts ont vraiment détaillé la description du Béhémoth, on voit que c'est impossible que ce soit l'éléphant ou l'hippopotame. Même dans la Bible d'aujourd'hui, on dit encore hippopotame, mais vraiment, si on regarde quand on dit sa queue est comme le cèdre du Liban, ça ne décrit vraiment pas l'hippopotame. Donc, on sait vraiment que ça fait référence à l'éléphant. Excuse-moi. Au dinosaure. Au dinosaure. Et puis aussi, un point très important, c'est que on peut voir que si dans Job le, en parle, c'est que Job a vécu. Job l'a vécu, il l'a vu. Donc à ce moment-là, on sait que quelque part, à l'époque de Job, cet animal-là existait. Aussi, pour nous, est-ce que vraiment les dinosaures, c'est dans la Bible? Ben, la question vraiment pour chacun de nous ici, elle est loin d'être résolue. Okay? Ça dépend de votre interprétation et des preuves. Mais toutefois, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des preuves tangibles de l'existence des dinosaures, et non seulement ça, de la coexistence avec les hommes, parce que les experts ont trouvé en Amérique du Nord et en Asie, l'Asie de l'Ouest, l'Asie centrale, la coexistence côte à côte de l'homme et les dinosaures. Donc à ce moment-là, je pense que la question serait surtout là. Qu'est-ce qui est arrivé aux dinosaures? Est-ce que quelqu'un peut répondre ici? Enfin, en fin de compte, on suppose qu'après le déluge, OK, c'est vraiment là, après le déluge, que probablement avec les changements climatiques, il faut penser que tout a été détruit.
Donc, c'est sûr qu'après, les arbres qui étaient, ces dinosaures-là qui mangeaient dans les arbres, il n'y avait plus rien. Donc, à cause de ces grands changements climatiques spectaculaires, ils ont été absolument extincts. Et non seulement ça, c'est que aussi le peu qui en a resté, peut-être que les hommes les ont chassés aussi. Donc, à ce moment-là, c'est un peu ça qui résout vraiment les circonstances du dinosaure. Ouais. T'imagines... Super, merci. T'imagines rentrer le T-Rex dans l'arche? Il va tout détruire. Prends la chaîne, porte vite! Tiens-les, contrôle-les. Ils auront pris des bébés. Des bébés dinosaures ou des œufs de dinosaures. C'est gros! Les œufs, mais même les œufs. Bon, les œufs, ça va, mais t'imagines quand même. Ouais. Ça aurait été incroyable. Moi, j'aurais aimé ça. T'imagines dans la ville d'Ottawa. Oh, T-Rex s'en vient vite, on rentre. Rentre dans la maison. On va continuer avec Pasteur Denis. D'où est venue la femme de Caïn? Amen. Bon. Alors, il y a plusieurs hypothèses qu'on donne. Il y a un que j'ai trouvé qui était un peu difficile à digérer. Il disait que peut-être il y a eu des gens pré-adamiques. Qu'avant que Adam existe, il y avait des gens que Dieu a recréés. J'ai dit non, la Bible est claire sur ce point. Adam est le premier homme, Dieu a créé avec Ève, et voilà, ils ont eu des enfants. D'autres disent que peut-être, vu que Adam et Ève ont eu beaucoup d'enfants, on dit des fils et des filles, on pense que la Bible a juste pris Abel et Caïn, et puis il a laissé les autres. Mais c'est pas non plus là, parce que la Bible est précise que Abel et puis Caïn est parti là trouver une femme. Alors, lorsque j'ai regardé l'histoire juive, on calcule le nombre d'enfants que Adam et Ève ont eu. Et on parle de 33 fils et 23 filles qu'ils ont eu. Parce que n'oublie pas que Adam a vécu 930 ans. Et il a eu 7 à l'âge de 130 ans. Donc, il a eu des enfants. Il a eu beaucoup. Et la Bible nous dit, bon, pas comme moi, mais il en a eu beaucoup. Beaucoup pendant des années. Alors, Adam et Ève ont eu Caïn et Abel, c'est vrai. On ne dit pas non plus la date ou l'heure ou les années exactes quand Caïn a tué Abel. On ne sait pas s'ils étaient adolescents. On ne sait pas s'ils avaient 20 ans. On ne sait pas s'ils avaient 40 ans ou 50 ans. On nous présente qu'ils étaient là, et puis ils travaillaient déjà, et puis ils se sont entretués. Alors, dans ce temps, on pense qu'en ayant des enfants, sûrement, il y a eu des filles, il y a eu beaucoup d'enfants, et à l'époque, la loi n'interdisait pas de marier ta sœur. La seule loi qui interdisait, c'était de marier ton père et ta mère. Parce qu'il dit, tu quitteras ton père et ta mère. Tu quitteras, il faut quitter. Tu ne peux pas marier ton père ni ta mère. Mais au sujet de marier ta sœur, d'ailleurs, Abraham a marié, c'était pratiquement sa demi-sœur. Si tu regardes, Isaac a marié sa cousine, puis Moïse lui-même qui a amené la loi, son père Amram a marié sa tante, qu'on nous présente comme Jochabed. Donc c'était quelque chose de courant. Donc je crois que la Bible s'explique soi-même. L'interdiction de marier ta sœur directe ou ton frère direct est venue dans le livre de Lévitique. C'est avec la loi de Moïse. Donc Dieu a permis que les gens puissent se multiplier et puis puissent se marier. Donc je crois que Caïn a marié sa sœur, qui avait quel âge, je ne sais pas, mais ils étaient nombreux. Alors ils se sont multipliés, il y a eu beaucoup de fils et de filles, la Bible en parle beaucoup. Et c'est quelque chose, je trouve, que avec le temps, Dieu a arrêté, vu tout ce qui vient avec quand tu maries ta sœur directe. Il y a beaucoup de maladies, beaucoup de au niveau génétique qui sont pas. En tout cas, Dieu nous a protégés avec la loi en disant non, c'est fini, arrêtez. Alors c'est une joie. Dernièrement, j'enseignais mes garçons un peu. Ils sont à l'âge de dire oh, c'est son amoureuse, c'est son amoureux. Alors, je demande à Malakai, c'est qui ton amoureuse? Et Malakai me regarde et dit, Mateya. J'ai dit, non, la loi de Moïse interdit ça. Faut même pas penser à ça. Au nom de Jésus,
Je vais te chercher une belle Québécoise quelque part. Arrêtez ça. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Je crois que ça répond à ça. Amen. Excellent. Pasteur Mathieu, est-ce que les animaux domestiques iront au paradis et ont-ils une âme? Alors, vraiment, la question est merveilleuse parce qu'en même temps, j'ai toujours dit, en tout cas, la Bible n'est pas vraiment explicite puis ne répond pas vraiment à cette question-là, si les animaux domestiques vont aller au paradis ou pas, ou s'ils ont une âme ou pas. Tout ce que je sais, c'est que mon chien, des fois, il est dépressif. Des fois, il est content. Quand il branle sa queue, il est content. Quand il rentre sa queue entre ses jambes, puis qu'il, ses oreilles sont en vent, puis il nous regarde un peu comme un pitou, il essaie de minoucher. Alors, on sait que les chiens vivent des émotions. Alors, pour dire jusqu'à quel point qu'il y a une âme... Ou un esprit. Un esprit, c'est sûr que moi, j'ai l'impression que non. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, mais il n'a pas créé les animaux à son image. Puis c'est vraiment ça aussi, la Bible déclare que les hommes ont été faits à l'image de Dieu, mais pas les animaux, mais que les deux, tous les deux ont reçu le souffle de la vie. Et puis, moi, je crois vraiment que si mon chat n'est pas au ciel, quand je vais aller au ciel un jour, le jour qu'il va mourir, bien, je prie que le Seigneur le transforme en un lion, parce que je veux un lion chez nous. Chérie, peut-être, je ne sais pas si on va vivre ensemble, en tout cas, chez nous, je veux un lion. On va sûrement vivre ensemble. J'ai demandé une mention spéciale avec Vanessa. Alléluia. Même si on va avoir des différentes connaissances, puis on va s'apprendre, on va être différents au ciel, on n'aura pas notre même corps. Puis ça revient un peu à la question même, est-ce qu'on va aller aux toilettes quand on est au ciel? Non, parce que tout change. Tout change, l'être change. Moi, je pense que Dieu a créé au ciel, je crois qu'il va y avoir des animaux vraiment weird. Des bêtes bizarre. Regardez déjà les anges, comment il y a des anges puissants qui sont autour du trône. Il y a certains anges, des lions ailés, des chevaux. On sait que Christ revient sur des chevaux. Alors, ça définitivement des chevaux glorifiés surnaturels. Ça risque d'être incroyable, pareil. Et puis, je pense qu'il y en a qui vont rester surpris aux bêtes qu'il va y avoir. Mais personne ne va avoir peur. En tout cas, peu importe ce qui va se passer avec nos animaux domestiques, peut-être que pendant le règne de Milan, il y a un verset, par exemple, qu'Ésaïe mentionne. Et celui-là, je l'ai sorti spécialement pour toi, Pasteur Denis. Je sais. Pendant le millénaire, pendant le règne de Milan de Christ, c'est qu'il va créer des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et le prophète Ésaïe, dans Ésaïe au chapitre 11, verset 8, Pasteur Denis, écoutez ça. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère. Et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. Ça, c'est pour Pasteur Denis, puisqu'il n'aime pas les serpents. C'est pour ça que j'ai sorti cela. Mais c'est pour dire que le lion et l'agneau vont ensemble demeurer. Fait que, est-ce qu'il va avoir, il va avoir des animaux dans la nouvelle, dans le nouveau millénaire, dans l'année où est-ce que Dieu va venir recréer toutes choses à neuf? Ça va être le fun. Nous, on va régner avec Christ. On va être dans une nouvelle dimension, mais il va sûrement avoir des animaux sur cette terre. Pourquoi pas au ciel? Pasteur Matt, je pense que Pasteur Denis va jouer avec les abeilles aussi. Oui! Tu seras plus allergique aux abeilles. En tout cas, j'ai une prière spéciale. Alors, pour finaliser, répondre à la question, personnellement, je crois que possiblement les animaux ont un âme. Mais ça nous dit que la vie est dans l'âme. Et une fois que l'âme meurt, lorsque l'animal va mourir, c'est la fin pour lui parce qu'il n'y a pas d'esprit. Moi, je crois vraiment que les animaux, on s'imagine au ciel, ce serait surpeuplé d'animaux. Non, non. Ce serait compliqué avec les fourmis. Les fourmis, toute l'équipe. Tous les insectes. Mais aussi que, alors s'il n'y a pas d'âme, peut-être qu'il ne va pas être au ciel. Je ne veux pas décourager certains qui ont eu des animaux, mais peut-être vous allez les revoir un jour, je ne sais pas, en quelque part, ou je ne sais pas, mais... Dieu, il sait. De toute façon, la décision que Dieu aura prise, on va être content avec ça. Amen. Peu importe. Alors, c'est ça que... On continue. Magali, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la consommation d'alcool et est-ce un péché pour un chrétien de consommer de l'alcool? Ouh! En fin de compte, on voit que juste le mot « vin » est mentionné à peu près quoi, 200 fois dans la Bible. Donc... Hey, on dirait un sourire énorme qui est venu dans l'église. Seigneur, hein? Qu'il soit sobre. Oui,
Je pense qu'ils sont Yves de l'Esprit. Ils sont Yves de l'Esprit. En fin de compte, les fruits et les produits de la vigne ne sont pas condamnés. La Bible condamne l'ivresse et les abus d'alcool, mais pas la consommation modérée. Et qu'est-ce qu'on veut dire par consommation modérée? En fin de compte, c'est une consommation qui te permet d'être toi-même, OK, de ne pas perdre contrôle, parce que quand on perd contrôle, vous allez voir que ça peut être vraiment désastreux. Dieu condamne, en fin de compte, le manque de maîtrise de soi. Dans Proverbe 21, ça dit, « Le vin est moqueur, la boisson enivrante est agitée, et tout homme qui se laisse égarer par cela n'est pas sage. » Puis c'est vrai que l'alcool peut égayer le cœur, mais il peut aussi égarer quelqu'un en lui faisant perdre son bon sens du bien et du mal. En tant que chrétien, nous devons aussi faire très attention de ne pas être une occasion de chute, comme c'est bien dit dans 1 Corinthiens 8, 9. Je donne un exemple. Par exemple, si j'invite des gens chez moi, si je les connais très bien, puis je connais leur antécédent, je connais leur passé, je peux, selon ce que je connais d'eux, leur servir un verre de vin ou ne pas leur servir un verre de vin. Ça, ce sera ce que je connais de ces gens-là. Ça peut être des amis et tout ça. Mais si, par contre, si j'invite des gens, puis je les connais pas trop, je connais pas leur passé, c'est vraiment préférable de ne pas servir de boisson du tout. Parce qu'on dit, si une personne est un ex-alcoolique, croyez-le ou pas, juste une goutte de vin peut vraiment causer sa rechute. Mm-hmm. Donc, c'est à ce moment-là qu'on dit, on ne veut pas vraiment être une occasion de chute pour nos, pour ceux qui sont faibles. La Bible est tellement sage à ce sujet-là qu'il dit dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour s'abstenir d'alcool. Et puis, en regardant ça, je disais, ouais. Puis finalement, ça a décrit que dans le contexte du travail, imaginez que vous manipulez des machineries lourdes ou des machines dangereuses. Même un verre de vin, ça peut vous causer certaines choses. Dans la conduite, c'est certain, on voit les séquelles de la conduite en état d'ivresse. Puis aussi, si vous prenez des médicaments, il y en a qui vont mélanger les médicaments avec l'alcool. Ça peut être très, très néfaste. Puis aussi, comme j'ai dit tantôt, si vous ne connaissez pas l'antécédent, le passé de quelqu'un, donc nettement clair qu'il faut, toutes ces raisons-là sont vraiment valables pour s'abstenir d'alcool et abstenir d'en offrir aux autres. Et puis aussi, je trouve en tant que leader aussi, il faut faire attention, chrétien ou leader, des fois on a des gens autour de nous, juste le fait qu'ils nous voient boire un verre de vin, puis dit ça devient une porte de sortie pour eux autres aussi de pouvoir consommer. Donc, je crois qu'on a vraiment cette responsabilité de vraiment faire attention. Donc, consommer de l'alcool, c'est un choix. Oui, c'est vrai, mais il faut faire preuve de responsabilité. Il faut toujours utiliser son bon jugement, et c'est certain qu'il faut faire tout avec modération. Il n'y a pas juste l'alcool, mais Dieu nous demande d'être modérés dans tout. Donc, certainement, la consommation de l'alcool, c'est pas un péché, mais par contre, c'est vraiment faire ça avec modération. Amen. Je suis d'accord avec ça. Puis il y a un problème aussi avec l'alcool, c'est que la Bible nous dit que c'est comme ça finit, ça a de l'air beau dans le verre. Parfois, ça peut finir comme piqué, comme une vipère. Alors, tu sais pas ce qui t'est arrivé, mais t'es pris sous ce piège-là. Il y a des gens qui ont juste dit, moi, juste commencé un petit peu, puis ils ont été pris après. Absolument. Puis en plus, le proverbe dit, même le roi le plus sage dit, si tu bois le vin, c'est que ça t'attire aussi ton regard, ça porte ton regard sur d'autres femmes. Alors, en bout de ligne, moi je dis, avant même de prendre le premier verre, quel est ton motif? Quel est ton motif? Est-ce que tu veux te sentir un petit peu buzzé puis tu fais semblant? Ouais. Que non, c'est pas pour ça. Oui, ça fait 3-4 verres, tu bois, je suis correct. Je suis avec modération. Ça commence à tourner. Alors, il faut faire attention. Que tout ce qu'on fait, ça va être pour glorifier Dieu. Qu'on boive, qu'on mange, que ça soit pour glorifier Dieu, que notre frère nous regarde, qu'on ne soit pas... En tout cas, oui, je suis d'accord avec cette position-là. Ça, ouais. Super. Non, moi, je voulais qu'on fasse la sainte scène avec un petit... un petit vin. Avec un petit vin rouge. Un petit vin rouge. On continue, Pasteur Matt. Que dit la Bible au sujet des jeux de hasard ou du gambling? Est-ce un péché de jouer? Oh, une autre bonne question. C'est comme les tatous. Le jeu d'hasard, on sait qu'il y a eu des tirages au sort ou tirages au hasard dans la Bible. Ça ne veut pas dire qu'ils jouent au gambling, parce que tout était mis dans le pan de la robe. On voit ici, lorsqu'on choisit le disciple pour remplacer Judas,
on a mis soit des noms ou des objets qui représentaient certains disciples qui étaient là pour le remplacer. Allez, on tirait au sort. Mais c'était pas le même tirage au sort que le 50-50 ou la loterie du 649, là. Il n'a que, encore une fois, je crois que c'est un petit peu comme l'alcool. C'est pas péché. Il n'y a rien, il n'y a pas nulle part qui dit que de jouer au gambling, c'est péché. En même temps, je me dis, si c'était 20 pièces puis tu veux le gaspiller ton 20 pièces, mais vas-y, gaspille-le. C'est comme aller au cinéma. C'est la même chose qu'aller au cinéma. Tu gaspilles 20 pièces, dans le fond. Alors, faut pas se condamner, mais en même temps, faut faire très attention parce que ces choses-là, surtout si vous êtes de nature addictive. Puis dépendante, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur femme, leur maison. Hey, il y a des gens, j'ai vu jusqu'à l'air à Las Vegas, le pasteur Denis, là, puis apparemment, l'apôtre Paul qui est là-bas, lui, mais il est pas dans les casinos, mais il dit qu'il y a des gens qui se mettent des couches pour demeurer sur les machines à roulettes parce qu'ils disent que la machine, elle commence à être chaude. Allez, on a déjà dépensé peut-être 1 000 $ dedans, puis ils disent, man, faut que je continue parce que je vais gagner. Alors ça, c'est très addictif, c'est une nature addictive. T'imagines mettre une couche, pasteur Denis, puis on va au casino les deux, puis on a une couche. Il y a quelque chose qui va pas avec ça. Il y a quelque chose qui est wrong. On n'est plus des bébés, il faut grandir, tu sais. Mais vraiment, Je pense que si tu peux semer ton 20 $ dans le royaume de Dieu, ouais, t'as plus de retours. Ça va être un plus grand retour. Mais il y avait un autre qui disait qu'il peut aller jouer. Quand il va gagner, disons, 2 millions, il va donner à l'Église. Ouais, ça c'est... Dieu n'a pas besoin de l'argent de la loterie pour faire aller son royaume. Je vous garantis ça. Puis la majorité des gens, Magalem disait, oui, ben j'ai vu une personne une fois. Tu disais, il y avait une personne qui a donné vraiment à l'Église, qui a payé son Église avec un billet de loterie. Là, j'étais là, ben amen, allez acheter des billets de loterie. Si vous gagnez, semez-le à l'Église. Non, c'est une farce. Mais il faut faire attention, c'est quand même des jeux qui peuvent être addictifs. Ouais. Et puis, j'aime bien aussi ce que... Puis, juste parce que, Mathieu, on n'a pas besoin d'aller au casino. Ça se fait de chez nous, sur l'Internet. C'est plus récent, mais les gens sont dépendants tout autant, puis remplissent leur carte de crédit, et puis ça détruit des familles entières. C'est comme n'importe quoi, l'excès de quelque chose est mauvaise. Puis je pense vraiment ici, il ne faut pas commencer, puis ils disent que la majorité des gens qui dépensent tout leur argent, ils n'ont même pas pour commencer. Ça fait qu'ils vont, ils perdent leur argent, puis après ça, ils se retournent vers quoi? C'est de l'argent gaspillé. Alors un investissement qui garantit un retour à 100% du temps, c'est à l'Église. Venez semer votre argent ici. Puis il y avait un autre passage. Un passage qui était écrit, c'était dans Proverbe 23:5. Veux-tu... Ah non, attends, c'est pas ça là. Juste un instant, c'est un bon verset aussi. J'avais un dernier. Dans Proverbe 13:11. Une fortune mal acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. C'est prouvé que les gens qui ont gagné la loterie... qui avait pas beaucoup de biens et tout à coup ont gagné des millions, sont pires aujourd'hui qu'ils étaient avant parce qu'ils n'ont pas su gérer, ils n'ont pas su être des bons intendants. Ils ne seront pas de meilleurs intendants s'ils dépensent ce qu'ils n'ont pas pour acheter un billet de loterie, c'est qu'ils sont déjà pas de bons intendants. Alors, il faut faire attention. Puis tu peux en avoir des millions et puis ils finissent pire qu'avant. J'ai des scénarios, ils ont plus de dettes, ils sont plus... dans le problème, puis ils doivent déclarer faillite la majorité du temps. Ils n'ont même pas... Comme on parlait dans votre bureau, avec il y a une famille canadienne là, qui avait gagné 19 millions. Je ne m'en souviens pas le nom, la Viga, justement. Donc, ça, c'est... Tout le monde les connaît. Avant, ils n'étaient pas connus. Non, mais à nos jours, ces gens-là, c'est une famille divisée. Certains sont en prison, certains, ça a fini vraiment mal. Donc, c'est juste pour vous dire. C'est ça, des fois, c'est l'amour de l'argent. C'est la racine, ça nous dit, de tous les maux. On peut en avoir de l'argent, mais c'est l'amour de cet argent. Alors, souvent, c'est ça. Alors, voilà notre réponse. Moi, je sens que c'est bien. Puis, si vous avez des choses à rajouter, sinon... Je pense qu'on va aller à la prochaine. Cette question est pour toi, Magali. Je me suis endettée par ma propre erreur et j'essaye de repayer ma dette. Est-ce que je peux arrêter de donner ma dîme pour m'en sortir? Je pense que la réponse est nette, claire et précise. Non. Mais je vais extrapoler un petit peu.
selon moi, vraiment la première chose à faire si on se trouve dans une telle situation, c'est vraiment de demander pardon. Demander pardon à Dieu de s'être mis dans cette situation, parce que la parole de Dieu nous met vraiment en garde de ne pas s'endetter. Dans Proverbe 22, ça nous dit « Le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Est-ce qu'on veut être des esclaves ici? Non. Mais pour répondre même à cette question, je vais poser une autre question. Est-ce qu'on peut se faire confiance de sortir de cette situation de l'endettement? Ou est-ce que moi je peux me faire confiance de sortir de cette situation? Ou est-ce que je dois faire confiance à Dieu pour m'en sortir? Okay? Donc, parce que dans 3 Jean 1, 2, la parole dit « Bien-aimé, je désire que tu prospères ou que vous prospérez à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. » On voit que notre Père Céleste, il veut qu'on prospère. Donc à ce moment-là, c'est par quelle voie, par quel moyen on prospère? Est-ce qu'on est capable de le faire par soi-même? C'est lui qui donne les idées, c'est lui qui nous donne les moyens de s'en sortir. Donc comment faire prospérer notre âme? C'est en répétant et en méditant les versets reliés à notre situation. Par exemple, il y a beaucoup de versets qui sont reliés à notre situation d'endettement. Par exemple, comme le psaume 23, il va dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je ne manquerai de rien. Donc à ce moment-là, on sait que c'est Dieu qui remplit. Dans Philippiens 4, 9 au 10, c'est dit « Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ces versets, ça fortifie notre foi et ça nous transforme. Ça nous donne confiance que Dieu prend soin de nous. En fait, la raison pour laquelle souvent les gens ne veulent pas donner leur dîme, c'est la peur. C'est la peur de ne pas avoir, okay? De ne pas avoir suffisamment pour prendre soin de leur famille. Donc, c'est un manque de confiance, comme si Dieu ne peut pas prendre soin d'eux. N'est-ce pas? Dans Deutéronome 8, 17 à 18, ça nous dit aussi, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. C'est Dieu qui donne la force d'acquérir les richesses. Donc à ce moment-là, faire confiance à Dieu, donner sa dîme, c'est vraiment un choix éclairé. Il faut aussi qu'on comprenne que donner est un acte planifié. C'est une disposition du cœur, c'est un acte d'amour, en fin de compte. On donne comment? On donne par amour, on donne pour l'avancement de l'œuvre du royaume. Comme Dieu a fait, Dieu a donné quoi? Dieu a donné son fils unique, celui qui avait de meilleur, ce qui était le meilleur, c'est ce qu'il a donné. Donc, c'est sûr que donner notre dîme, c'est dire « Oui, Seigneur, j'ai confiance en toi pour prendre soin de moi, de mes enfants, de toute ma situation, dans toutes les circonstances. » Je pense que c'est vraiment le point que je veux faire là-dessus. J'aimerais ajouter celui qui paye sa dette envers l'homme sans payer sa dîme, sans dette envers Dieu. En tout cas, c'est une petite pensée. Il y a plusieurs choses qui nous ont aidé, moi et Rachel, parce que avec les dettes de l'école, de l'université, avec les dettes qu'on accumule, vous savez, des jeunes familles, c'était énorme. Il y a des programmes avec Focus on Family, avec Dave Ramsey, des bons programmes, mais c'est en anglais malheureusement pour ceux qui sont francophones. Mais ça te donne des petits pas de gazelle, des petits pas d'antilope. Comment tu peux t'en sortir, créer le budget, tout ça. Ça nous a vraiment aidé. Et je crois que si tu te retrouves chaque fin du mois dans le rouge, des fois tu as besoin de quelqu'un à qui tu es redevable, que tu peux dire, écoute, aide-moi à bien gérer. Et nous sommes des frères et des sœurs. À l'église, on a besoin de s'entraider au lieu qu'on vienne t'imposer les mains chaque fois, alors que tu sais que si on te planifie très bien, si on t'aide aussi bien, ça va aller bien. Alors, une chose est certaine, il y a des outils. Viens nous voir et puis on va vous aider aussi à cheminer financièrement. Amen. Parce que j'aime bien ce que tu as dit aussi, c'est un acte planifié. C'est pas « Attends, je vais attendre s'il m'en reste à la fin du mois, puis je vais… » Non, si vous l'écrivez comme étant priorité dans votre vie, puis vous vivez avec le reste, je vous dis, vous êtes capable. Mm-hmm. Nous, on l'a fait pendant des années, puis on n'a jamais manqué, puis on a toujours donné notre dîme. Depuis que je suis converti, j'ai toujours donné ma dîme, j'ai jamais manqué un dimanche. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu est fidèle. Mm-hmm. Il a toujours été fidèle envers nous.
J'ai jamais rien manqué, pasteur Denis Magali. J'ai jamais manqué de bien à cause de la fidélité de Dieu à sa parole. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et il va ouvrir les écluses sur nos vies. Puis des fois, on oublie ce principe qui est tellement merveilleux. Ça fait que... Mais clairement, ça va prendre une minute, c'est un petit témoignage aussi par rapport à ça, où, parce que le couple, en fin de compte, qui nous avait aidés, se trouve dans la salle aujourd'hui. C'est où j'ai eu, à un moment donné, une situation où j'ai fait confiance, j'ai donné ma dîme. Puis ce jour-là, ce vendredi-là, je sais qu'on a eu exactement un ticket là de... Une amende. Et puis, l'amende était pour une somme bien précise qu'on n'avait pas. Mais j'avais le choix de donner ma dîme ou payer cette amende-là. Et puis, j'ai donné ma dîme. C'est arrivé le vendredi. Le dimanche, on est venu ici. La personne n'était au courant de rien du tout. La personne est venue et elle dit, Magali, Dieu m'a mis dans le cœur de te donner tel montant. Et je regarde, c'était la somme que la personne m'a donnée était exactement 5 $ au-dessus de ce que l'amende était. Donc, encore là, je crois que c'est vraiment un acte de confiance à Dieu pour ça. OK, on continue, pasteur Denis. Quelle est la différence entre un ministre de l'Évangile et un enseignant de l'Évangile? Bon, il y a 5 ministères que la Bible nous présente toujours. C'est, pasteur Jean aime le présenter avec la main. Il dit le premier ici, c'est l'apôtre qui est capable de toucher tous les ministères. Le doigt ici, c'est le doigt qui te donne la direction, va à gauche, va à droite. C'est le doigt du prophète, c'est le ministère prophétique qui peut aussi te donner des avertissements. Le doigt le plus long, c'est l'évangéliste qui peut sortir en dehors de l'église et aller amener les âmes. Le doigt qui porte la bague, c'est le doigt du pasteur. Il est marié à l'église. Les autres ministères, ils peuvent aller dehors à droite. Mais le ministère pastoral, il est là. C'est le ministère qu'on a confié à pasteur Mathieu. Il est marié à l'église. Il est vraiment le petit doigt ici, c'est le doigt qu'on appelle l'enseignant ou le docteur dans d'autres versions. C'est le petit doigt qui peut entrer dans les oreilles. Alors, c'est ce rôle que l'école de ministère Kairos fait. C'est enseigner la parole. Il y a des choses que on n'enseignera jamais ici devant, mais que tu trouveras dans l'école de ministère ou dans le ministère d'enseignant. Alors oui, nous sommes tous appelés à enseigner la parole de Dieu, mais le ministère ou le ministère, comme on dit en anglais, c'est les 5 ministères. Mais nous tous, nous sommes appelés à propager l'évangile, que ce soit sur Facebook. Au lieu de mettre les playoffs de NBA que j'aime beaucoup, j'ai choisi de mettre l'évangile. Donc, tu es prêt aussi à dispenser la bonne nouvelle, que ce soit, j'ai vu sur Vibe, sur WhatsApp, au lieu de parler de toutes sortes d'élections en France avec Trump et tout ça, propage l'évangile. Soyez des enseignants de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons une dernière question. Encore une dernière? OK. Pasteur Mathieu, quelle est la vision chrétienne sur le suicide? Que dit la Bible au sujet du suicide? Oh, j'ai vraiment eu tout, je pense que... Tu en as eu des difficiles, ouais, hein, ce soir. le suicide, parce que, entre autres, la question, puis la question qu'on peut même se poser, c'est qu'est-ce qui arrive avec un chrétien qui suicide? Supposément un chrétien qui commet un meurtre envers lui-même, dans un sens. Vous savez, le suicide comme un meurtre, c'est un péché. Puis il y a tous les péchés, on ne peut pas mesurer vraiment. Un péché, c'est un péché contre Dieu. Alors, pour le mettre en mesure, alors c'est difficile parce que des fois, il y en a qui ont des membres proches qui se sont suicidés. Lorsqu'on accepte Christ, on l'accepte pour l'éternité, on lui donne notre vie. Est-ce que pour un moment très momentané, cette personne-là a eu un faille dans son caractère qui a permis à quelque chose d'entrer qui n'était pas de Dieu, et puis que cette personne-là s'est décidée à ce moment-là de s'enlever la vie, puis peut-être c'était accidentel, peut-être ça ne l'était pas, peut-être c'était un moment d'inattention. Alors, c'est très difficile à juger. Seul Dieu peut juger les cœurs, parce que nous, on ne peut pas juger les cœurs, ni les motifs, ni rien de ça. Alors, c'est très difficile à répondre comme question, mais tout ce que je sais, c'est que dans la Bible, on nous parle seulement de 6 personnes qui est mentionnées qui ont commis des suicides, et on mentionne qu'on les a notés pour leur méchanceté, entre autres Abimelech, Saül, Achitophel,
Zimri et Juda. Et il y a un autre qui a commis le suicide, c'est le porteur d'armes de Saül. On ne cite rien à propos de cet homme, mais il y a 6 suicides dans la Bible qui sont notés. Et puis aussi, il y en a qui disent, mais Samson aussi s'est suicidé parce qu'il a poussé les piliers. Mais ce n'était pas dans un but de se tuer lui-même, c'était de détruire l'armée des Philistins. Alors, il s'est sacrifié dans le fond. Et puis c'est de voir, il y a une histoire qui est venue à mes oreilles qui était terrible. Et puis c'était le fils du pasteur de Rick Warren, qui est un pasteur très connu aux États-Unis. Et son, un de ses fils a commis le suicide. Alors, pour un homme aussi grand, puis tout le monde connaît, son nom est connu, c'était très, très difficile pour la famille. Mais son petit garçon avait des problèmes, des tourments énorme mental. Il était tourmenté jour et nuit. Il dit, je ne peux plus vivre. On parle de maladie mentale. C'était une maladie mentale. Et puis, malheureusement, il a enlevé sa vie. Il a laissé une note. Je n'étais plus capable, je pense, ou un, je ne sais pas ce qu'elle. Mais en tout cas, il s'est enlevé la vie. Alors là, ils ont demandé, est-ce qu'il est au ciel? Il est en enfer? Puis c'est presque insultant. Il dit, écoute, on ne peut pas juger. Seul Dieu est le juge ultime. Et c'est un cas très particulier. Alors, toutes ces choses-là, alors c'est pas un moyen. Disons qu'il y en a qui pensent que c'est un moyen de s'en sortir. Parce qu'on parle d'hommes et de femmes de Dieu qui ont été aussi découragés. Même Salomon, qui avait toutes les richesses au monde, dans sa poursuite du plaisir, a atteint le point où il a dit « J'ai détesté la vie » dans Ecclésiaste 2:17. Élie aussi a été effrayé par Achab à un tel point qu'il désirait mourir. Dans 1 Roi 19:4, il dit « C'est assez! » Maintenant, Éternel, prends-moi la vie. Et aussi à Jonas, lui était déprimé, il avait évangélisé, il avait fait ce qu'il devait faire, mais il y avait quelque chose, il était pris dans la chaleur, puis il a dit ceci dans Jonas 4:8, il dit, il vaut mieux pour moi mourir que vivre. Alors, je crois que même dans la vie, même d'homme de Dieu, on voit qu'il y a des moments, des passages très ténébreux, des passages très difficiles, des moments d'angoisse, des moments de perturbation. On sait qu'eux n'ont pas commis l'acte du suicide parce qu'ils se sont fiés à Dieu. Alors, vraiment, la conclusion, c'est que, selon la Bible, c'est un péché, le suicide, parce que c'est un meurtre contre soi-même. Alors, je crois que le suicide ne détermine pas la destinée éternelle d'une personne, par exemple. Seul Dieu peut déterminer cela, puis c'est vraiment lui qui décide. Dieu seul connaît les cœurs de ceux qui ont commis le suicide. Et peut-être leur suicide n'était pas une réjection de Christ lui-même, mais comme je disais, une action liée à une faille au niveau possible de leur caractère. Mm-hmm. Peu importe ce Dieu connaît les cœurs encore une fois. Ça fait que vraiment, c'est ça un peu la réponse à ça. C'est jamais une solution parce que ceux qui demeurent après sont c'est attristés au maximum. Et c'est pas un échappatoire. Et puis, je sens vraiment que moi, je pense personnellement, j'oserais pas prendre la chance avec ça. C'est un peu un péché que tu commets avant de mourir. En tout cas, ça fait que c'est un peu bizarre comme... Mais je profite aussi, Pasteur Mathieu, de glisser un mot par rapport à l'actualité. Sur Netflix, est sorti un nouveau programme qui s'appelle en anglais 13 Reasons Why, 13 raisons pour lesquelles ou pourquoi je me suis suicidée. Et c'est l'histoire d'un jeune homme, une jeune fille qui a vraiment, qui s'est ôté la vie et qui laisse 13 lettres différentes. Et ça explore le suicide pour nos jeunes de fond en comble. Ça leur donne des raisons, ça leur donne des portes de sortie. S'il vous plaît, regardez qu'est-ce que vos enfants regardent, ce que les amis de vos enfants regardent. Et il y a une discussion avec vos enfants. Je sais que l'école à Pasteur Denise ont reçu un avertissement. Les écoles écrivent aux parents à tel point, les écoles publiques écrivent aux parents à tel point, ça fait des dégâts. Il y a même des suicides qui ont été liés à ce programme. Donc, c'est un programme américain. Et puis, ça commence à faire des répercussions énormes. Soyons avertis, soyons au courant de ce que nos jeunes regardent. Puis si vous êtes vraiment peut-être suicidaire, peut-être qu'il y en a qui sont en ligne, qui nous regardent. Puis peut-être si vous êtes suicidaire, vous êtes sur le point de faire des choses que pour en terminer avec votre vie. Mais venez nous voir, sérieux, comme on ne va pas vous juger. Puis des fois, ça peut être n'importe qui, ça peut être des gens qu'on jamais on aurait pensé qui ont des pensées suicidaires, qui ont des... Parce qu'il y a une personne qui veut vraiment s'enlever la vie dans ses derniers stages, parfois, il ne va même plus en parler. Et puis, ça va être trop tard. Mais si quelqu'un, vous entendez quelqu'un parler de ça, c'est très sérieux. Venez voir un professionnel. Allez voir un professionnel si c'est vous aussi, ou venez voir un pasteur. On peut vous diriger vers un professionnel aussi pour vous aider
à traverser. Puis en tout cas, c'est vraiment il n'y a des... pas de honte, il n'y a pas de honte. Avancez-vous, on va prendre autorité avec vous s'il y a des pensées qui vous harcèlent. Des fois, on vit des situations difficiles, puis on pense que s'enlever la vie, c'est plus facile. Mais venez, on va prier avec vous, on va vous trouver des solutions. Alors, ça termine un peu ce soir. Merci, Pasteur Denis. Magali, merci beaucoup. Merci, Pasteur Mathieu. Merci, Vanessa. Alors, on vous remercie en ligne aussi d'avoir été connecté avec nous ici ce soir. Si vous avez besoin de prière ce soir, on veut prier avec vous. Peu importe vos besoins ce soir, on veut prier, puis on vous aime. Et à la prochaine, à dimanche, la fête des mères, Pasteur Louis prépare un bon message avec des témoignages aussi encourageants. On aime nos mamans, n'est-ce pas? Amen. Yes, on aime nos mamans. Ça fait que soyez bénis ce soir. Ceux qui ont besoin de prière, avancez-vous, on vous aime. À la prochaine. Bonsoir.